Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, on vient de se faire une petite contre-pétrie de préchauffage Une avant cette blague, vidéo. voilà. Je demandais à Valentin s'il était arrivé à pied par la Chine, et ben non, pas encore. Du coup, petite vidéo sur Abdos Sacrifice, les gens se disent C'est mais long. quoi? Le deck, il est vieux, il est mort, il n'existe plus, qu'est-ce Mais qui il se est passe? fort Mais pas du actuellement. tout, il existe encore et toujours, il résiste à l'envahisseur. C'est un peu un deck C'est gaulois, un gaulois, ouais. C'est quelque le deck part. Astérix et Obélix, ouais. Deck qui a été joué, donc la deck qu'on va vous présenter par Chris Kavartek au Mythic Point Challenge, qui était un petit événement sympathique le week-end dernier. Ouais. Ouais, c'est ça, qui du coup en fait consistait en, comme les week-ends de les MCWQ, donc Mythic Championship Weekend Qualifier, Ouais. pour vous qualifier à des Mythic Championship sur Arena. Sauf que là, ça ne vous qualifiait à rien, ça vous donnait juste des Mythic Points. Et les Mythic Points, à la fin de l'année, suivant combien vous en avez, ça peut vous débloquer des choses, des invitations potentiellement. Ouais, c'est Mais surtout surtout pour rentrer en des Rivals places League en en fait. Rivals League, C'est voire en ça. MPL si vous gagnez beaucoup de points. Mais Non, tu vas forcément transiter par la ah oui, non, Rivals League. c'était pour la pré-saison. Donc Ouais, non, à ouais. partir de la future saison, ce sera C'est ça, forcément tu vas Rivals League. forcément passer par la Rivals League et après par la MPL, mais c'est déjà incroyable, hein, attention, de se qualifier à la Rivals League, mais bon, il Ouais. faut pas cumuler que les points des Mythic Point Challenge, c'est Exactement. juste un plus, quoi. Et il y avait une toute petite différence par rapport au Mythic Qualifier cette fois-ci, c'est qu'on avait le droit à 3 défaites et non pas à 2, ce que je trouve un petit peu moins... Non, t'avais le droit à deux défaites. Oui, pardon, D'habitude, t'as droit à une. au lieu d'une, pardon, et je trouve que c'était un petit peu moins punitif et donc du coup un peu plus sympa, et évidemment, comme il n'y a pas de qualifié, bah, ça leur coûtait rien d'être un peu plus permissif sur cet événement-là, parce que tu ne gagnais que des points, entre guillemets. Donc c'était sympa d'avoir un peu plus le droit à l'erreur, parce que bah, mine de rien, faire 10-1, c'est quand même très compliqué, quoi. Pour le coup, Enfin, faire 10 lui... victoires. Parce que 10-1, 10-0, 10-2, c'était la même. Ouais, mais à la base, il faut faire 10-1 ou 10-0. Alors que sur Ah cet oui, à la événement-là, base, tu ouais. as le droit de faire 10-2, donc c'est moins Ouais, punitif, c'est ça que je veux effectivement. dire. Genre typiquement, Chris Kavartek, lui, il a fait 10-2 avec ce deck-là. Et peut-être qu'en fait, eh ben, il aurait fini à 7-2, en fait, dans Ouais, l'ancien format. effectivement. Voilà, donc en tout cas, très très sympa cette decklist, qui est extrêmement dans l'air du temps, on va vous expliquer pourquoi, mais avant... Avant, bien entendu, oh là là, je me suis dit, et j'attends qu'il me passe la priorité. Pam pam pam. Est-ce que tu as une réponse? Bien sûr que j'ai une Pam réponse. pam. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, la petite page boutique comme d'habitude, mais surtout le code VALEPL2020 sur Boutique Magic Bazar, notre sponsor. Merci beaucoup à eux, qui d'ailleurs sponsorise également l'Euro, c'est vous si vous pouvez. Hein. On essaye de le rappeler de temps en temps en On le vidéo. place, voilà. Émission tous les lundis soirs, donc pas lundi prochain exceptionnellement comme on sera au GP Lyon, mais émission où on voyait un champion et un challenger s'affronter en BO3 de BO3, comme l'ancien Rossmoi si tu peux, sauf que là c'est plus nous, à chaque fois c'est de nouveaux intervenants, donc ça fait plaisir. Ah, je me décale un peu parce que tu es coupé en deux, Ouais, tu es t'inquiète. scindé, Je me scinde. donc voilà, J'aime bien. n'hésitez pas à utiliser le code VALEPL2020 si vous commandez sur Boutique Magic Bazar, ça nous soutient, ça vous donne un petit booster en fonction de du montant de votre panier, comme affiché là-bas. Et donc ça fait quand même plaisir, merci à tous ceux qui l'utilisent ou qui l'utiliseront. C'est utilisé par tout le monde, nouveau, ancien client, une fois par compte. Merci énormément. Merci beaucoup, et d'ailleurs, Et on a d'ailleurs, des on sait que retours. c'est un Voilà, succès, exactement. voilà, que la communauté, la commu, comme on dit, répond La commu, présent. 100% commu. Donc merci On énormément sera en à direct vous. sur le live très prochainement. Voilà, on nous a proposé, on a dit bah, bien sûr que non, Mais évidemment. pas du tout. Non, on nous a pas proposé, c'est faux. Non. Parce qu'on aura Donc ouais, accepté de toute façon. merci beaucoup à Magic Bazar, code créateur Magic Arena FR sur la boutique, enfin sur la surface Epic Game Store. Ceux qui veulent nous Yes. soutenir également, totalement gratuit. J'explique brièvement comment ça marche. Quand vous faites un achat sur la boutique Epic, vous mettez le code Magic Arena FR et nous, ça nous reverse un petit pourcentage du coup. De 5 à 10%, je crois. 5 à 10%, ça dépend le jeu que vous achetez, les L'achat, ouais. V-Bucks, etc. Et donc c'est juste totalement free pour vous, c'est comme un code de Si parrainage en vous fait. utilisez déjà la plateforme Epic, pensez à nous. Voilà, tout Voilà, simplement. merci énormément à tous. Merci Et beaucoup. du coup, j'en profite pour le rappeler, du coup, puisque la vidéo logiquement va sortir Elle sort vendredi, vendredi, ouais. On jour sera au du GP. début du GP Lyon, Magic Fest Lyon, s'il est maintenu, on espère. À 2 jours de l'événement, au moment de tourner cette vidéo, Ça je devrait le pense que oui. faire. Je pense qu'il est maintenu. Il n'y aura pas grand monde pour l'instant. Ça sera un petit GP. Bah, je pense que les gens attendent de voir, c'est pour ça qu'ils ne sont pas préinscrits. C'est pour ça qu'il y a peu Il d'inscrits. y a des chances. Mais dans tous les cas, on sera pas sur Bruxelles, Il tu n'y vois. aura pas énormément de gens là. Voilà, on sera pas sur un Donc gros GP. n'hésitez pas si vous passez ou si vous voulez passer à venir nous voir, faire un petit coucou, etc. Le petit coucou, on rappelle, on ne se serre plus la main par rapport aux Vous consignes. faites C'est le ça? petit pouce. Vous faites Où ça. ça? Hop là, voilà, double dab. Non, pas du tout. Où ça? Ce que vous voulez, Bah non, parce qu'il y a peut-être des gens juste fans de métal qui vont faire ça. Et toi, tu vas dire, ah, ça va, t'es un abonné. Et le mec va te parler allemand. Tu vas faire, merde. Je suis perdu. c'est pas grave, on va parler métal. En allemand? Bah oui. Avec plaisir. Et le mec va te répondre Non, comme Gojira, ça. Silosist, on cite juste des noms de groupe, Ah, ça on va. échange. Et tu fais comme ça ou comme ça, du coup, pour savoir si le mec aime. Ouais, Bref, ok. cette intro part dans tous les sens.
On a déjà rappelé un petit peu voilà, les petites Les consignes. règles de bienséance On pour les que rappelle, l'événement se passe bien. voilà, juste parce qu'en fait, c'est des consignes de Channel Fireball, l'organisateur de l'événement. Vous pourrez trouver ça sur Twitter, etc. Donc, bah, allez voir ça, allez voir nos autres vidéos de mercredi, de lundi. On a la On chance en explique tout ces temps ça. que cette convention, entre guillemets, ce rassemblement Maintenu. soit maintenue. On a cette chance-là, donc on va juste faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça se passe bien et respecter les règles d'hygiène basiques, de ne pas serrer la main, se laver les mains entre chaque ronde, éviter de manipuler au maximum le deck de votre adversaire, même si ça, vous allez y être obligé. Du coup, avoir un petit gel hydroalcoolique, ça peut être intéressant. Pas de propos alarmistes, il faut pas du tout céder à la panique, c'est pas ce qu'on vous dit, mais juste faire le minimum nécessaire pour éviter la transmission Exactement. des virus, tout simplement. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à venir nous voir. Et pour ceux qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire en GP, etc., est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Oui, ça s'adresse à tout le monde. Il y a une vidéo sur notre chaîne qui est sortie en octobre, il me semble, qui explique un peu tout ce que vous pouvez faire en GP. Donc là, on ne refait pas de vidéo pour l'occasion, parce qu'on aurait juste redit la même chose. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et on vous fera bien sûr une vidéo débrief la semaine prochaine, hein, des petits Évidemment. GP. Ce deck Rakdos Sacrifice, en quoi consiste-t-il? Vous avez pu lire la petite encadrée. En fait, on use et abuse des mécaniques de sacrifice avec le four de l'envoûteuse, l'enjambeur du malheur et la prêtresse des dieux oubliés pour avoir donc bah, déjà l'effet principal, c'est-à-dire l'effet de la prêtresse ou de l'enjambeur, le Scry 1. En plus, quand on a un faucheur, on va piocher des cartes. Quand on sacrifie, quand on a un diable du carrelage, on va mettre un point de dégâts à n'importe quelle cible. Et ainsi, on va infliger pas mal de points de dégâts tout par-ci par-là. Le familier de chaudron, quand il est sacrifié, il peut revenir en sacrifiant un food. Donc quand vous sacrifiez le food, ça trigger sur le diable. Il revient, il fait un point de dégâts à l'adversaire, on gagne un point de vie. Très synergique. Autour de ça, des cartes comme Carcasse qui peuvent se sacrifier et revenir, puisqu'on paye 2, on le reprend dans la main, on le rejoue, etc. Et c'est un drop 1 agressif, donc assez important pour mettre la pression à des decks contrôle. Le droit au premier-né qui permet de voler une bête qui coûte 3 au moins, donc les Uro ou autres. L'écrasier, c'est Les vraiment une carte Landes de Nissa, horrible donc très fort. quand vous jouez Ramp, c'est vraiment la carte que vous voulez absolument pas rencontrer. Et c'est ce qui fait la popularité de ce deck-là, c'est qu'il est extrêmement bien placé contre Ramp, contre les Nissa, dans ce méta actuel. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu remis au goût du jour, ce deck-là. Exactement. En plus, quand vous volez quelque chose, vous pouvez le sacrifier avec enjambeur ou four pour ne jamais rendre Ou la la prêtresse créature même. ou la prêtresse, ouais, effectivement. Boucher de la Horde de l'Effroi qui permet de mettre la pression et aussi quand il se sacrifie, il inflige des blessures équivalentes à sa force, donc assez fort, un petit peu un tueur de Planeswalker C'est un. si jamais il est laissé sur le board, parce que du coup, le fait qu'il soit là, quand il va mourir, il va aller finir peut-être un Planeswalker ou Ouais. alors il va le pressuriser. C'est un bon comeback parce que la carte avait un petit peu disparu. Et dans ce méta-là, qui est bah, justement avec beaucoup de decks ou ramp ou contrôle, qui respectent pas trop leur lit, ou en tout cas qui veulent essayer d'aplatir les sorties early de vos adversaires grâce à des brasses, bah, lui il va juste se régaler ce boucher en fait. Quand il va taper, ne pas être géré pendant 2-3 tours, enfin, ça va faire game. C'est vraiment très très puissant et c'est très dur à gérer en fait pour un deck blanc-bleu contrôle ou pour un deck band par exemple. Ouais. Donc c'est un très bon retour de cette carte-là. Et l'enjambeur du malheur, mécanique, moteur de sacrifice, pardon, qui permet de scry 1, qui permet de s'exiler, de s'échapper, pardon, du cimetière pour avoir une grosse créature, pour mettre la pression aussi si jamais. La mana base, assez simple, Très deux solide. châteaux de Loctwine, c'est assez fort. Quatre passages merveilleux, pourquoi? Parce que bah, déjà c'est une bonne carte quand on joue beaucoup de basiques. Et aussi parce que le diable du carnage, du coup, passage merveilleux, c'est un land qui met un point de dégâts à n'importe quelle cible quand vous l'utilisez. Ouais. Donc c'est pas mal. Si vous avez plusieurs diables, vous faites plusieurs fois les points de dégâts quand vous sacrifiez aussi. Très très fort. Il y a pas mal de petits tricks encore qu'on n'a pas forcément expliqué là. On va voir peut-être en vidéo. Ouais, y a plein de trucs à faire qui sont vraiment sympas, genre activer ta prêtresse le tour où tu la joues grâce à ton droit au premier-né. Tu vas pouvoir par exemple échapper ton enjambeur du malheur pour 5 et le droit au premier-né sur lui pour aller mettre 5 points directement parce que son CCM, ça reste un drop 3 au moins. Vous Ça pouvez c'est... acquérir le contrôle de quelque chose que vous avez en C'est fait. ça, et en fait ce droit au premier-né, tout le monde dit bah c'est une carte morte dans certains match-up. Oui, et en même temps non, parce que tu vas juste donner la célérité à ta propre créature. Donc c'est ça qui est quand même important, genre le deck se recycle bien, il n'y a pas vraiment Ouais. de carte morte. Non. Et c'est une version un petit peu, ça ressemble à June Sacrifice, ça veut pas du tout faire la même chose, ça veut pas se battre à la même échelle, enfin en tout cas au même étage de la game. June veut vraiment aller en late game. Utiliser Trail of Crumb et les cartes vertes pour générer beaucoup de value. Là, on veut quand même clore les parties rapidement. On reste un deck aggro à mécanique sacrifice. On va mettre des points vite et fort. Et ce draw au premier nez, c'est vraiment une horreur pour tous les decks qui jouent base verte avec des Uro, des Krasis. Parce que là où vous pensez stabiliser contre les decks agressifs avec des Uro, avec des Krasis, bah, le mec il va faire draw au premier nez. Si vous avez une Krasis 8-8, il va vous mettre 8 points, la sacrifier sur un enjambeur. Enfin, c'est vraiment très très fort. C'est un enfer. Moi, pour jouer de l'autre côté. Rakdos Sacrifice, c'est un des pires match-ups de ces decks-là. Donc c'est pour ça que ça se place vraiment bien actuellement.
Yes. Passons au petit side. Yes. Hop. En plus, les sorties sont curvées. Enfin, vous avez vu là, la curve, elle est incroyable. Drop, enfin, 3 Ouais. drop 1, 3 drop 2, 3 drop 3. Le tout en x4, c'est du solide de ouf. Hein. Le side, 4 bagarres de bonnet rouge pour le mirror et pour surtout contre mono red, très très fort hein, pour 1 on gère tout Ouais. le deck. Déjà qu'on a un très bon match-up contre Mono Red, tu fais de Ouais. la gestion de créatures, donc T'as des bloqueurs tu avec le vas, chat, etc. avec ton draw au premier nez, tu vas piquer Anax, le sacrifier, récupérer les tokens. Trop bien. Et c'est juste fou. GG. Affreux du remords qui permet de faire un petit peu de discard contre les Donc decks les contrôle, qui est contrôles un match-up sont assez le compliqué. plus mauvais de nos match-up, et Dream Trawler, on y résiste assez mal, et Ouais. Affreux du remords, c'est pas mal pour aller le chercher avant qu'il arrive. Exactement, en prise délétère pour renforcer un petit peu le match-up contre les decks ramp, même si il est déjà pas trop dégueu Bon, il est de base. vraiment bien. Donc franchement, prise délétère, c'est plutôt pour ne pas souffrir du side adverse Ouais, pour renforcer le c'est match-up dans ça. ce sens-là. Sauvagerie dans gratte, Dream Trawler. Voilà, Dream Trawler, tu sacrifies. Ouais. Très bonne gestion. Je pense pas que ça ait beaucoup d'autres applications. Non, mais Temur c'est. Clover, tu sacrifies un Arthos aussi, c'est bien. Dans tous les cas, voilà, c'est ça. Ça va être bien contre Clover. Ça va être bien quand le mec il va juste résoudre le plan de jeu ramp qu'il peut gagner en fait. C'est de résoudre Nissa rapidement et derrière bloquer. Bah là, tu fais Tu peux faire sauvagerie, sacrifier Nissa tu aussi. sacrifies Nissa. Bon, Ouais. ça a quand même quelques applications, Ouais, quoi. deux bonnes cartes là hein, Ouais. pour le match-up mid-range. Et enfin ramp, ramp mid-range. Et toujours le pain maître farceur. Bah ça, je pense que ça peut avoir son effet aussi contre Dream Trawler, puisque tu peux faire sacrifier. Je sais pas si tu Ouais. la rentres, mais en tout cas, tu peux. En tout cas, c'est pas une mauvaise carte contre contrôle. Donc en Outil de fait, pression contre contrôle, par contre, ouais. par extension, ça peut être utile contre Dream Trawler, mais je pense que Ouais. c'est pas sa cible principale. Non, c'est pressuriser Planeswalker, le Ouais. joueur adverse, faire défausser des cartes, avoir un moyen moteur de pioche supplémentaire aussi contre contrôle, ce qui est C'est important. ça. De pouvoir de ne pas vider sa main trop tôt. Non, je pense que cette version elle est très forte. Elle est beaucoup moins orientée discard que ce qu'on avait essayé de faire en Harry Builder. On voit que Ouais. Chris Kabarthek il a fait des choix forts. Il a dit Kroxa, on s'en cague. Enfin, vraiment, nous on veut jouer un Rakdos Sacrifice qui va mettre des points. On a vraiment un plan de jeu aggro et très linéaire. Et vraiment, je vous le dis, hein, les gens minimisent un petit peu cette decklist là, sous-estiment. C'est très très fort sur Rakdos Sacrifice. Et on est parti pour du BO3. Ouais, let's go. D'ailleurs, il y a plusieurs decklists qui ont fait 10 victoires en Rakdos Sacrifice. Ouais, Il n'y a pas et que Chris il y a Kabarthek. June Sacrifice aussi qui n'est pas exactement le même deck, mais a quand même une grosse partie En fait, commune ils utilisent qui. la même engine pour générer de la value, mais ils veulent pas faire la même chose et pas surtout pas au même moment de la partie. Ouais, et du coup, June Sacrifice qui a bien perf aussi sur C'est ça. l'événement. Genre JE qui a typiquement, choisi de le jouer ouais. pour l'événement d'ailleurs. Genre typiquement quand tu joues Bant ou Sultai, June Sacrifice est beaucoup plus simple que Rakdos parce qu'il va te mettre moins de pression, il va te laisser le temps de résoudre tes cartes et il va pas jouer de draw au premier nez. Parfaite. Parfait. On joue contre Jorge Mouret. On va faire tour en carcasse. Ouais, vu qu'on sait pas ce que c'est pas mal de mettre la pression, je On va mettre pense. les points. Let's go. Après, on fera Carcase. tour 2, four de l'envoûteur. Alors, le jeu a Ou un juste petit peu familier. de mal. Il y aura des petits lags, désolé. Là, c'est le jeu en ce moment. Ça Je peux arrive. pas faire grand-chose. Je peux peut-être. Non, je peux rien faire. Ok, bah four, je pense. Parce que si jamais tu mets ton familier sans four, tu l'exposes à un À se faire exil. exiler, ouais. Bon, après, ce serait rare. Faudrait qu'il y ait une carte qui a disparu. Comment elle s'appelle? Légion, Legends End Main Deck? Ouais. J'y crois quand même pas des masses. Mais... Je crois qu'on va fetcher fin de tour pour être sûr de pouvoir jouer Diable. On joue contre Jund. Ça risque d'être un match-up compliqué par contre, parce qu'on a la même mécanique, sauf que lui en late game il va gagner. Vas-y, fetch. Ouais. C'est pas les bons match-up, Jund Sacrifice. Chercher du rouge, là, plutôt. On a plus de noir quand même, il y a plus de trucs à double noir, non? Fais voir le deck. Non, il n'y a Double rien. noir, il n'y a Il n'y a rien. rien à double noir. Bah, je prendrais quand même du noir, il y a plus de noir que de Ouais, rouge. il n'y a plus de carte noire, t'as raison. Hop. My turn. Parfait. Pioche un land, là c'est diable. Ouais, carrément. Parce que du coup, même lui, ça l'emmerde. Tous les effets de sacrifice, ils vont être bons pour toi. Ouais. Le premier qui pose son diable dans le match-up, il est bien. Surtout que tour prochain, on peut faire familier four, droit au premier nez. Droit au premier nez sur son propre diable, ça serait bingo. Bah, je pense que s'il développe un truc comme ça, Ouais. sans nous gérer diable, On a gagné, je c'est pense. game, ouais. Ouais. Il joue pas de rouge, peut-être qu'il joue une version juste Golgari Sacrifice? Ah, je pense qu'il trouve juste pas son rouge. Il y a des mecs qui jouent Golgari, hein. Ah ouais? Souviens-toi de Crokies qui jouait Golgari à Chafour. Ouais, mais c'était méta précédente. Je sais Mais pas. oui, peut-être que. Il y a des mecs qui essaient. Hein. C'est peut-être un test. Ça te permet de jouer des hauts drops. Bah, après, tu joues pas Korvol, donc je trouve ça difficile. Mais... Ouais, 3, Bon, 4, 5 puntos, 5, hein. 6, 7, 8, 9, 10. Je réfléchis si Ouais, de ouais. faire attaquer le familier, ça ne nous donne pas On n'a l'étal. pas l'étal, non. Mais en fait, dès qu'il va poser une bête, on aura l'étal, de toute façon. Bah attends, 5,
6. Je donne célérité 7. 7. Je sacrifie 8, 9, 10, 11, ouais, 11 12, 11. 13. Non, je peux mettre 13 en tout. Mais... Ah, tu mets 13? Ouais. Calculer 11, moi. Ah non, parce que t'as le sacrifice du four plus le ping du chat. Ouais, 13, t'as raison. Avec le deuxième four aussi. Ouais, ouais. Non, mais en fait, t'as le sacrifice de la food qui fait proc aussi, diable. Ah, j'aurais dû poser chat en premier. Du coup, je pensais pas qu'il jouait des trophées de l'assassin. Bah, je pensais pas non plus. Je sacrifie ou pas? Ou je préfère aller chercher un land? Ça fait quoi? Ah, je prendrais bien un land en vrai. Tu filtres ton deck, ça sert à quoi de sacrifier ici? On s'en fout d'avoir une tourte. Ouais, j'avais une tourte et un ping. Non, tu peux prendre une montagne. Deux points. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, non plus. C'est quand même pas incroyable, surtout dans un méta qui est bombardé de decks qui veulent faire Nissa tour 4. Donc, Ah, en vrai, si je jouais genre chat, en réponse il aurait tuatiable. Donc en fait, ça change rien. Oui, ça change rien, mais c'est étonnant que lui joue Sin's Trophy, quoi. On va avoir la confirmation de s'il joue du rouge ou pas. Ok, il joue du rouge, il l'avait pas trouvé. Deuxième trail. De pour l'instant, c'est mou. Hein. Ouais. Alors vous allez nous voir faire beaucoup d'actions répétitives hein, dans cette vidéo, c'est normal. Ouais, c'est pas non plus comme June, ça passe. Okay, on va pinguer doublement, il va passer à 12. Si on lui pique son chat, on lui met 4, il est à 8 et qu'on fait tac tac, il passe à 6. On a quasiment l'étal si on top deck un... On a l'étal si on top deck un Mayhem Devil, ça peut aller très très vite. Alors ça c'est bueno. Oh, c'est une bonne bueno. Dose, hein. Mais vraiment méga bueno. Je fasse d'attaque ou je sacrifie d'abord? Alors si on attaque avec carcasse, on va quand même piocher... Je peux voler ouais, mon chat. Je crois pas que ce soit très bien. Ouais, ça a pas l'air très bien. Je pense qu'il faut d'abord bourrer et voir après. Ouais. Ouais. Ok. De toute façon, tu peux toujours sacrifier en réponse selon ses blocs. Ouais. Bah là, son but, c'est de bloquer pour pouvoir ramener son chat et payer 1. Donc là, je vais sacrifier pour pas qu'il ait son chat, je crois. Ouais, je suis d'accord. Nickel. Un point. Et on va payer cette carcasse, la remonter, ouais. La rejouer. Easy, hein. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Après, là, on meurt sur Korvold, genre qui est un play aplatissant. On n'a pas de gestion. Non, ça sera un peu trop complexe, la Korvold. Il n'y a pas de Korvold, donc ça passe. Après, on a des draws, donc non, on n'aurait pas sur Korvold, on pouvait aller chercher quelque chose. C'est un peu chiant, June, hein, sacrifice, pour le coup, par contre. Ça stabilise pas trop mal ce qu'on veut faire. Ouais. Mais bon, là, le Sophochor de minuit va faire le taf. Ah putain, j'ai cru que c'était Turlupin, mais non, ils sont après side. Hop. Go. Enjambeur, ça va faire le taf aussi. Ça nous permet d'aller chercher des cartes clés, genre ça, en fait. C'est pas gagné, là Ah, il a peut-être anti-bête, remarque. Mais... Si t'attaques avec tout, et que tu l'empêches de... Bah, je vais lui voler. Prendre son chat, hein, t'as raison. Bah non, voler chat, en fait il va sacrifier et le remettre, donc ça sert à rien. Maintenant qu'il a four, ça sert à rien de faire ça. Non, mais tu peux donner la célérité à ton diable. Par contre, ouais, j'aime bien faire ça. Bah, en tout cas, t'as un certain nombre de dégâts. S'il a pas d'anti-bête. Mais vas-y, on fout le bourre. Il peut gagner 6 points de vie, hein, en fait. Pour ouais, pas mourir. Dans ce cas-là, il n'utilise pas ses pistes de miettes. Ouais. Okay. Ok, il y aura certainement beaucoup de misplays dans cette vidéo. On va préciser. 4. Ouais, on n'est pas. Je crois que je vais terminer le tour en fait. Ouais, je pense que ça me va aussi. On n'est si pas familier faire des trucs, de ce genre je de répondrai. Bon bah ouais. Ouais, je pense qu'il était. Il était bien. En fait, là, s'il voulait faire quelque chose en réponse, j'allais ping, 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 ping. Donc en fait, il pouvait quasiment plus rien développer, ouais, je pense. Qu'il était mort. Alors, on veut ça ou pas en June 2. Ça tue bien ces diables. Ouais, mais en prise de l'éther c'est pas mal. Ça tue les gouzes et les brontodontes et les Korvold. J'aurais bien deux ouais, en ça prise de l'éther. Est-ce qu'on veut lui faire discard? Je crois pas. Je ferais bien sacrifier un. Ah non. Ah, il putain. Y aura des food donc. Ouais. Ah ouais. Ça va être trop dur de lui faire sacrifier un four. Je pense qu'Affreux du remords c'est bien du coup. Affreux du remords c'est exil en plus. C'est très bien pour le chat.
Après, je crois pas qu'on veuille de Turlupin, il aura toujours une merde à non. sacrifier. Ça, on peut Bagarre, je me pose pas. la question, parce que tu peux faire un trick, comme si jamais tu cibles pas un truc rouge, tu sacrifies un terrain, donc tu ping encore. Ok, why not? Faut voir ce qu'on veut sortir. Déjà, sur Ouais. la drone, on va enlever les bouchers Ouais, ça c'est qui sûr, c'est feront rien. En nul. plus, ça va se faire pinguer par son diable. Et ça sera sûrement très mauvais. Pareil, carcasse des égouts, tu peux en enlever deux. Ouais. Ça va Bah, peut-être juste qu'on se va faire juste full partir ping, comme ça quoi. en fait, hein. J'ai pas trop envie d'enlever le reste là. Non, prêtresse, c'est peut-être pas si incroyable que ça, mais est-ce qu'on préfère des bagarres? Je sais pas. Vrai que bagarre, ça, en fait, enlève peut-être toutes les carcasses et juste joue deux bagarres. Ou deux Turlupins. Je sais pas si c'est si bien que ça, Turlupin. Ouais, je préfère deux bagarres, mais peut-être pas quatre, ouais. Peut-être sur le play, on mettra des Turlupins. Ouais. Quand on aura le choix de Ce sera commencer. Si on proactif. perd, hein, évidemment. Sinon, on s'attelle, quoi. Si c'est perdu. S'attelle comme ça. Bam, bam, bam! Bah, en fait, je vois plus comme ça, tu vois. Rampe de lancement, et tout, tu vois, tu l'envoies très haut. Ça va bien, ça. Tu le s'attelles. Ouais, c'est ok. Jusqu'à, bon, on n'a pas l'engine, comme on dit. Osef, Et il a l'engine, lui. pas très grave. Ah, bah si, on a Ah, on a l'engine, tu l'engine. vois. Ça arrive, ça monte. Vas-y, hein. Ton prochain, je peux voler Goose et le sacrifier d'ailleurs. Ce que je ne ferai pas. Par contre, là, s'il fait land diable, ah, de suite, c'est. Je prends ton diable, je te mets 3, je sacrifie. Ah, j'adorerais. Voilà. Et il joue Dommage. bien. Dommage. Bon, il a tout, lui, dis-moi. Il est bien. Ouais, il est pas mal. Il est bien, son deck, non? Ouais. Ah, affreux. Affreux, ce monsieur. Cet affreux personnage. Ah, oh bah, je Oula. m'attendais pas du tout à ces trois cartes. What? Ça peut arriver le tour prochain. Ouais, Ça a l'air chiant. ça va dégager, hein. Ça, je crois qu'on s'en fout. Ouais. Pour l'instant. Et ça aussi. Ça, quand tu le sais, Et en ouais. fait, qu'il y a Massacreuse. Ouais, tu D'ailleurs, feras quoi? Massacreuse, ne rentrez pas ça contre Sacrifice, c'est de la merde. Genre, il va toujours vous empêcher de proc. Bah, lui, en fait, avec son chat, il peut faire en sorte de proc, en fait. Vu qu'il a chat fort, il peut Ouais. faire massacreuse, le chat meurt, je remets le chat, retrigger, etc. Ouais, Enfin, je pense effectivement. que c'est trop dur de tourner autour, vu que lui, il a Ouais, 2000 d'accord. façons, tu vois. Ok. Mais je veux dire, si jamais vous le jouez dans un autre deck que Sacrifice, cette Massacreuse, enfin, moi, pour avoir fait l'erreur contre Rakdos de laisser mes Massacreuses, bah, j'ai fait Massacreuse, il a fait ok en réponse, il va rien se passer. J'enlève mon chat. Ah, GG. Ah, bien joué. Donc c'était pas bien. Je crois que j'ai payé 2 pour mettre en jambeur là. Ouais. Faucheur, je suis sûr En de vrai, on faire est de la pas mal. value. Il a pas de mana, le coco. Hein. Tu peux lui piquer son doigt d'or d'ailleurs. Hein. S'il en trouve pas là de mana. Ouais, sur les deux du dessus quand même. Ouais. Ah, dommage. Putain, il trouvait pas de mana, on lui Sur pas piquait de le doigt mana, ouais, d'or. j'ai enlevé ça. Ouais, je vais enjambeur, comme ça je pourrais faire des draws au premier nez Qualitatif. plus quali que faire four. Parce que sacrifier avec four, tu fais un food alors que là tu fais un scry 1. C'est un peu mieux. À tes souhaits. À mes souhaits. Je Et peux voilà, aussi. je vous ai montré comment on faisait dans le coude, hein. Je Très peux aussi important. discard familier. Il faut dab. En fait, on va discard quoi là dans sa main? Est-ce qu'on a envie de discard une de ces deux cartes? Que là, Non, si. peut-être pas en fait, on est tranquille là. Je Je crois prends qu'enjambeur, jambeur c'est pas si mal, hein. et go. On devrait stopper en fait le ping incessant grâce à notre Grâce à familier. notre propre ping incessant. S'il trouve pas de diable ou d'autres fours, ça Bah, va. je pense que le match-up il se résout. Enfin, il se joue surtout à qui trouve son diable en premier, quoi. Genre, on a vu que nous on a enchaîné les diables et. Ouais, bah, il faut tout le moteur et le diable. Parce que juste diable, Ouais, mais même juste c'est un diable, peu ça frais. empêchera ton adversaire d'avoir le moteur. Ouais, là il veut faire Massacreuse. Bah, ok. S'il fait pas Massacreuse, on ira la lui enlever. Pardonnez-moi, avec l'affreux du remords. J'ai du rototot. Ah, il veut faire la sélection. Pourquoi il a payé 2 PF, je ne sais pas. C'est dur à battre, Piste de Miette, quand même. Hein. Ouais. Ah, il veut peut-être juste intervention des rebos sur notre enjambeur. Ce qui serait acceptable, on le sacrifierait juste en réponse. Ouais, là je vais sacrifier le chat, la chèvre déjà. Ouais. Ah, est-ce qu'on a une carte vraiment qu'on a envie de trouver? Diable. Ouais, parce que justement sur Diable, t'auras un effet ping sur cette chèvre. Mais ouais, peut-être qu'il faut la sacrifier quand même. Ouais, j'ai bien envie de scryer un là. Ok. Il est un peu frêle, mais il fait de la sélection donc.
Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, je crois que je garde un land aussi. Allez, regardez ce qui se Affreux. passe. Bah, on va enlever cette massacreuse qui va nous empêcher de développer notre board. Après, intervention, ça peut exiler aussi pas mal de cartes du cimetière. Ouais. Je pense quand même que massacreuse, ça peut être plus problématique. Genre là, s'il descend massacreuse, même s'il ravage pas notre board, bah, on a un 4-4 qu'on bloque pas, qu'on peut pas piquer avec droit promené. Enfin, la carte, elle est chiant, quoi. Tu enlèves massacreuse du coup. Moi, j'enlèverais massacreuse, ouais. Je pense que ça sera fort une fois, mais on pourra s'en remettre, quoi. Ouais, et je mets le petit chat. Ouais, c'est pas mal. Un petit chat. Un petit chat. Bon, là, il va avoir de la sélection, malheureusement. Est-ce que je tue cette toile d'or ou pas? Je crois pas, il a 5 mana. Ah, quoique, ça lui enlève un outil de sélection. Ben non, il s'en fout, il a Chafour. Non, ça. En fait, là, tous les tours, il peut faire food, sacrifie. Mais il le fait déjà avec son chat. Et non, s'il sacrifie la food pour faire ça, il ramène plus le chat. Mais non, il sacrifie son chat, ça crée une food, il sacrifie la food Ah pour oui, faire ouais, non. familier, il Ouais, paye j'ai rien 1 dit. et. J'ai rien dit, je suis con. Et c'est chiant, du coup. Je vais pas attaquer ça, rien. Non. Dans tous les cas, il va sacrifier le chat à le ramener. Ouais. Bon, là, il va trouver Korvold et ça va être dur. Très dur. Ah, il a trouvé Wador, Chafour, Trail of Crumbs dans les trois premiers tours, donc Pique, hein. complexe. Après, nous, on avait une très bonne main à la une aussi. Donc. Je crois J'ai que envie là, de dire un partout. sur le play, on va re-rentrer les butchers, on va essayer d'aller mettre un max de points. Voilà, ça va être un enfer. Bah, ça va, parce qu'on va juste faire droit au premier nez. Ah oui, bien Et vu. il est mort. Du coup, on a bien fait de pas le jouer. Il va sacrifier ça pour faire de la sélection encore. Mais Ou créer une non, food. joue ton diable. On en est à la fin du tour. Ah oui, pourra développer pendant son Ouais, tour. créer un food sans prétention. C'est vrai que ça n'a aucune prétention de jouer un food. Franchement, non. C'est genre. Je pose une tarte, tu vois. Ouais. Bah, tu pourrais avoir la prétention de faire bien les Si tartes. c'est une superbe tarte. Ouais, si c'est un clafoutis, tu vois. Avec clafoutis, le problème c'est que tu peux pas dire j'ai fait un clafoutis de ouf. Les gens vont faire ah. Pourquoi? Clafoutis, je trouve que ça fait très Versailles, 16e siècle, tu vois. Bah, je trouve que ça fait Clafoutis. plat nul. Tu vois? Genre, je J'ai suis payé sûr que dans clafoutis. la cour anglaise, ils nous enviaient le clafoutis, tu vois. Moi je pense pas. Mais si, Je ils pense que ça payent. venait d'eux même. Le clafoutis? Ouais. Mais pas du tout, ça vient de la France. T'es sûr? Je sais pas. Ouais, bah, moi je suis pas sûr. Moi je Dites-nous dis dans les peut-être. commentaires d'où vient le clafoutis et est-ce que ça paraît pas raffiné? Du coup là je peux pas faire un petit coup de chat parce que sinon je vais juste me faire ping. Ouais, ça a l'air chiant. My turn. Je vais te proposer ça tout de suite. Ouais, il va sacrifier en réponse, hein, je te préviens. De toute façon moi je veux juste que ce soit plus Oh là. oui, on veut juste que ça Parce dégage. qu'après moi je vais faire faucheur et je vais commencer à faire joujou avec mon chat. Tu vas faire joujou avec quoi? Avec mon chat. D'accord. C'est comme ça que tu l'appelles? Bah oui, c'est un chat. Ok. Je lui envoie une petite balle, il me la rapporte. Sympa. Il est très gentil. Tiens, on va sacrifier. Ah, il nous baise. Ah, il nous la met. Si je sac, ça enlève le ping, mais du coup ça lui fait un ping là. Lui il peut sacrifier pour tuer l'enjambeur. Ouais, c'est chiant. Sac pas et. Sac pas. Sacopa. Ah, de toute façon, il a diable en premier, donc dans tous les cas, c'est lui qui va faire les premiers trucs chiants. C'est ça. Ah, mais du coup, il sac pas le diable. Quelle erreur. Ah bah tant mieux, nous on va pouvoir faire faucheur de minuit et sacrifier son diable. Sacrifie une food. Ah par contre j'ai pas compris pourquoi il a pas sacrifié son diable du coup. Il veut tuer l'enjambeur? Sans le cag. Et il va payer 2 pour sacrifier une food. C'est quand même fatigué, hein. C'est-à-dire qu'il utilise sacrifie une food sans utiliser piste de miettes? Non, il va payer avec son doigt du coup. Ouais. Bah écoute, ça va en vrai. Hein. Bah du coup là, est-ce que je sacrifie pas Ah non, pour parce qu'on un veut food? sacrifier son diable. Il Ah oui, faudra ouais. sacrifier son diable en Bah fait. effectivement, on est obligé de garder le four. Ah sinon, on va être déçu hein, de lui rendre. Par contre, là, nous, on va faire faucheur de minuit, sacrifier diable, piocher une carte, pinguer. Ah, Corbel. Nice. Oula. Pinguer, je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir pinguer? Si on a deux pings, on Mais non, on n'en a peut. pas deux, on n'en aura qu'un. Mais on pourra faire revenir notre chat. Ah, donc. Ah putain, par contre, sans me Ah, il dégonner. a tout quoi. Ça me dégonner, quoi. Casse les couilles.
Et ouais, mais du coup on va lui rendre, c'est Ouais, le je pense problème. que Ouais, là je vais tu juste boostes. concéder. Après, dans le même tour, il détruit notre board et notre four. En fait, GG. on le battra pas à la value, donc je crois qu'il faut juste rentrer les butchers et l'agresser quoi. Là, du coup, on rentre les Ouais. butchers, on lève les bagarres. Et qu'est-ce qu'on avait rentré? Non, je vais laisser deux bagarres et enlever deux emprises. En prix, c'est bien contre Corvol quand même. Ah, ça ne tue que Corvol des Oies. Là, si on est proactif, on Genre veut. prêtresse, ça a l'air naze. Hein. Ah ouais? Il y a plein de boards. Bon, moi Vas-y, j'enlèverais les on a 4 prêtresses. prêtresses, ok. Je mettrais bien des turlupes. Hein. Un turlupin. Bah j'en mettrais, je sais pas combien, mais quelques-uns. Peut-être qu'on veut moins de discard, voire plus de discard, carrément. Peut-être pas plus, mais enlève deux et mets deux turlupins. Allez, le compromis. Genre on part sur un plan de jeu un peu agressif, tu vois. On est vraiment compromettant là. On fait des Waouh. compromis. Ok. Je suis pas sûr que ça veut dire ça, mais. Je suis quasi sûr que ça veut dire On ça. est compromis? Oui. On est compromis. Ouais. Je m'en prie. That's fine. Ça m'emmerde quand même ces mains à deux landes avec un passage merveilleux. Personnellement. Ouais, c'est vrai que ça fait deux fois que ça arrive, mais c'est pas grave. Et en Wigan. Donc tout va bien. Ah bah franchement, ce deck-là, il a besoin de deck de trois couleurs, de cartes très spécifiques pour jouer. Souvent, tu dois avoir des mains en mode ah, Ouais. les 4 landes, 3 bois d'or, tu fais Sympa. bon play. Keep. Est-ce que je veux mettre un chat là? Vas-y. Ah gros, il a rien pour un qui exile un chat. Ni Je pour pense deux. pas. En vrai, il a même pas d'exil de chat s'il joue à June. Ah, s'il joue Legends Si, End, Legends End il et est saut Feu 2019. Dévastateur de mon cul. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'il joue ça, les mecs. Eh, les mecs. On peut faire bagarre de bonnet rouge là, sur rien. Du coup, ça a l'air bien, comme ça, on Je peux le sacrifie faire notre crypte sur de sang. familier, comme ça je sacrifie ça. Non, je fais sacrifier Gros, passage, mais en réponse je sacrifie. on peut se saborder. Hein. Mais Genre, Magic est un jeu sabordable. on peut se saborder. Fetch quand même pour être sûr de pouvoir faire diable. Diable. Pour être sûr. Non, pour être sûr. Pour s'ouvrir la Ouais, possibilité. voilà. Vu que j'ai plein de spells rouges, je vais plutôt prendre un mana rouge là. Ok. Oh, super. Putain! Il Bon. suffira qu'il joue un chat là. Il suffira Qu'il d'une joue un chat. étincelle. Si Ah, j'avais un pas de chat, je four. l'appellerais étincelle. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai déjà un chat. Il ne s'appelle pas étincelle. Mais le prochain s'appellera Étincelle. Ouais, il n'y aura pas de prochain. Tiens quoi. Il n'y aura pas de prochain. Il n'y aura plus jamais de chat. Non, il est très bien, hein, mais. Mais stop. Enfin, elle est très bien, mais ouais, pas plus, quoi. Basta quoi. L'impression d'avoir un enfant de 5 ans à la maison, mais à vie, tu vois. Ouais, il aura jamais plus de 5 ans quoi. Non, jamais. Et qu'est-ce que t'as C'est. quand t'es enfant de 5 ans? Non, rien, mais c'est un peu capricieux, tu vois. Pas facile tous les jours quoi. Non, oui. Comme j'espère un jour avoir un réel enfant de 5 ans, Mais qui j'ai grandira. pas envie que ça cumule, tu vois. Qu'il ait 5 ans mais que pendant un an. Ouais, voilà. J'ai pas envie de cumuler les enfants de 5 ans, tu Vous avez combien d'enfants de 5 ans vous? J'en ai plein. Du coup. Bon, eh ben on fait enjambeur du malheur pour pouvoir piquer ses prochaines cartes et les sacrifier. Eh oui, Ouais, sinon je bah. pouvais drop premier nez, 4 points, go. Pas très bien ça. Nul. Ok. Je peux attaquer et celui qui bloque, je sac. Non. Mais pourquoi pas, hein? C'était pas un mauvais play. C'était pas un Oui. bon play. Non, voilà. Genre je muge. Est-ce que des fois vaut mieux rien faire Oui, il va faire Corvoad là, je sens. que faire le mauvais play, tu vois? Comme un sale. Genre quand tu sais pas, est-ce qu'il faut quand même agir ou ne rien faire? Je parle dans Magic, parce que dans la vie, faites, si vous savez pas. Je crois que dans Magic, faut pas faire quand tu sais pas. C'est dur, hein? Dans Quand t'as l'inaction. une idée, faut voir si ça vaut le coup, en fait. Si ça vaut pas le coup. Non mais quand t'as pas d'idée, est-ce qu'il faut quand même jouer une carte? Est-ce qu'il faut quand même agir? Dans la Ah, vie de c'est tous les trop jours, dur. oui, tu Genre, vois. tu demandes de généraliser un avis qui dépend vraiment du deck. Je Et sacrifie une petite chèvre. c'est pour ça. Non? Ouais, je pense, ouais. C'est pour ça. Si les questions étaient faciles, on les poserait pas. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Oh, putain. C'est bien ça. Bah, ouais, mais je sacrifie pas, donc. Ah, c'est pas bien ça. Ouais, bah vas-y, enlève-le, hein, malheureusement. Bon, on va aller tuer Vraska, hein, un de ces quatre. Ouais. Bah déjà ça Ouais. tue Vraska. Ah bah ouais, bah on va pas s'emmerder alors. On est con. Bah je peux juste faire face d'attaque sinon, il en bloque un, Vraska meurt. J'ai encore ma carte pour Korvold.
Parce que là, si on tue Vraska avec ça qui fait corvol, on fait Anan, ah, on a perdu. Ok, vas-y, go. Si je veux être sûr de garder mes chats, je peux lui voler cavalière aussi. Non, non, vas-y, tu peux donner un chat. Hein. Ouais. Ouais. Tu donnes un chat et on jouera diable derrière. Allez, avec aucun moyen de t'en faire de la value. Mais c'est pas grave, il est là. Ah, quoi qu'attends ça. Parce que lui, il fera pas de la value derrière. En vrai, ça, ça tue corvol, hein. Quand il arrive, il est 4-4. Ouais, bah c'est pas grave, on aura en prise délétère donc. Et je mets ça du coup. Ouais. Ok. Et là, il nous faut des lands. Oui. Oui, monsieur. Oui, oui. Ben, il faut un four en vrai. Hein. Surtout. Ou un jambeur. Ouais, c'est pour ça, si, four, t'as, des, si t'as des lands, on a un enjambeur à terme. Oui. Genre là, il est en train d'être créé, tu vois. Mais juste un four, je prends. Ouais, moi aussi. Genre quel watt? Vas-y. Je corvole. Ah, j'ai l'impression qu'on lag un peu, non? Tu penses? Non, c'est bon. Tu viens de danser Yakalelo. Oh putain, la musique. Tu sais, tu te rappelles qui chantait ça? Pas du tout. Nomade. Nomade? Ouais. Incroyable. Pour ceux qui connaissent, il faut avoir genre, je pense, plus de 25 ans pour connaître Yakalelo, tu vois. Bah, pour avoir l'âge où tu peux t'en rappeler, ouais, il faut ouais. avoir. Ouais, si, 22, si, mais si, max. Si t'as entendu Yakalelo, mais que t'avais 2 ans. T'en rappelles pas? Voilà. Ou je me suis dit, ah ouais, Yakalelo, trop bon hein, quand j'avais 2 ans. Énorme. Du coup, il nous a tués avec caverne meurtrière. Il doit en jouer 2 dans le pack. Hein, c'est pour un petit peu la SketchUp tiers, Yakalelo, tu vois. La SketchUp. Il y a que du mana rouge dans ce deck. C'est emmerdant quand même. Bon, on va quand même tuer. Ouais. Ceci. Genre hein. Une musique qui avait pas d'autres paroles que. Que celle que tu entends tout le temps. Mmh. Eh ben c'est chiant hein, quand mmh. même, hein. À pas se mentir. Pourquoi on a pris un rouge tout à l'heure déjà? Parce qu'on avait plein de trucs rouges, mais après on va piocher deux. Donc Ouais, c'est chiant, putain. L'enfer! Après, ça a bloqué que Turlupin, et là c'était pas le play. Bon, je vais finir par en prise délétère cette merde. Voilà, voilà. Ah, quoique je vais voir ce qu'il pioche ou pas. Non, je vais pas voir, je le tue dessus. On s'en cague. Ah, m'a saoulé, Vraska. Comme ça, là, si il y a Korvold qui est pioché, on est deg. Ouais, après, si on lui laisse tourner ça, c'est on pire, est deg, limite. On est deg aussi, ouais. Ça nous tue pas, mais ça va nous tuer. Après, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est Sangoku qui m'a dit. Hein. C'est Sangoku qui m'a dit. Si Sangoku, il m'a dit ça. Est-ce que je peux jouer? Merci, voilà. Oh la pire. Tu peux pas lui mettre des points, gros. Tu fais droit au promener sur son doigt d'or. Je te jure, ça marche. Tu me crois pas? Essaye, tu vas voir. Comme ça, au moins, on met des points, non? Ou alors, c'est vraiment flingué ce que je propose. Ouais, c'est flingué, mais ils m'ont saoulé les droits au premier point là. Où on est. Au point où on en est. Oh, il va sacrifier le Wador. C'est encore mieux. Ça, c'est classique, ça. Oh, parfait. La bêtise. Il pensait qu'on avait un four, alors qu'on l'a pas. On n'avait rien. Eh non. Nous, on mange froid, on cuit pas nos aliments. J'ai cru que tu allais dire nous, on mange froid, enculé. Le mec, il se sentait gratuitement agressif. Ouais, j'avoue. C'est bien. J'aimais le petit effet là qu'il y a, tu vois là. Ouais, j'aime bien que ça coûte de noir, moi. Putain, lui. Oh, mais lui, oh. What? Pourquoi il a laissé ça contre nous? Un gros conseil, il m'a bandé. Attends. Ah, mais attends. C'est fini, hein. Mais vraiment. Il fait rien là. Regarde. On peut le faire, Val. J'ai du mal hein, quand même. Puis là, il a top des Kekorvold. Ouais, bah voilà, chat. Ah, mais chat, ça fait rien, ça fait un point par tour. Enfin, deux points. Ça fait pas mal de points là. Hein. On est un deck aggro. Hein. Oh, il m'a bandé, lui. Ah, ouais, j'avoue. Oh, lui, comment il m'a bandé. Oh, il m'a allez, énervé. Mais pff, facile, regarde. Hop là. Ah, ouais, on joue encore. Ouais, ouais. Ok. Ouais, je sens que celle-là, on va la gagner. Voilà. Non. Si, si. Mais je te jure, on va la gagner. Celle-là, et tu vas me dire, c'est faux, et je vais te dire. Peut-être. Peut-être que c'est faux, mais tu y crois. Peut-être qu'on peut faire un truc. S'il peut jouer ouais. Vite, par contre, quand il se passe rien. J'ai vu les Chevaliers du Zodiac gagner des... Ah là là, le ping. Gagner des combats perdus. Eh, tu vois mm. Est-ce qu'on n'est pas des Chevaliers du Zodiac? Genre, si ta cosmo-énergie dépasse la sienne l'espace d'une seconde, il concède. Chevalier du Zodiac.
Ok. T'as les perdre. Hein, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. La Cosmo Énergie, c'est représenté par la carte du dessus. Ok, mais c'est jouable. Je suis très fort en Cosmo Énergie. Si c'est moi qui ai la manette, c'est jouable. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Là, il y a un trick, hein, je te le dis. Ah, je bloque tout. Je rentre dedans, moi, à fond. Bah, il va juste faire son diable, sacrifier, etc. Après, il top deck aussi, quoi, stop, quoi. Non, oh, c'était juste une attaque voilà. De merde. Voilà. Ah, je t'ai dit, on est bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, passe. Hein. J'ai envie de faire draw au premier nez. Non, ça sert à rien. Je vais le bluff. Je le bluff 100%. Eh ben, regarde. Il faut faire des plays. De quoi, il va le... Tu veux qu'il sacrifie sa chevalière? Ouais. Il faut faire des plays ambivalents, tu vas voir. Des plays agressifs. Le con. Il a mordu Absol. Oui. Yes. Alors Georges Muge, est-ce que tu es dispo pour manger avec nous vendredi soir? Hop. J'organise un petit dîner sans prétention. Sympa. Tu enlèveras ta collection douche. Comme ça. Hein. Pas d'attaque. Et là, il peut piocher. Pourquoi pas d'attaque? Ah, parce qu'il ramène son chat et au ping et on est à 8 quand même. Ah ouais, c'est chiant. Après, ramener son chat, c'est pas gratuit. Hein. Attention. Tu un sais peu. Que si Georges Muge a 8 terrains sur le dessus de son deck, moi j'ai pioché 8 terrains une fois. Hein. On a gagné. Vous avez déjà pioché 8 terrains, vous? Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Ça arrive, vraiment. Ouais, mais c'est une carte piochée de trop, tu vois. Ça va. Oui, c'est vrai, ça va. Tranquillou bilou. C'est un Québécois qui utilise une expression bien française. Ouais. Okay. Hop. Ou un Anglais, plutôt. Ouais, plutôt. J'ai dit Québécois, mais c'est un Canadien, si tu veux. Ouais, ok. Genre un Québécois qui parle anglais, quoi. Ouais. Mais qui font des raccourcis partout, tu sais. Bah, un Québécois, en fait. Ah, putain. On a maîtrisé 100 francs, moi, au chat. Oh, il a pioché 3 cartes, ça va pas du tout. Hein, on aurait pu mourir. Ouais, bah ouais, mais. Jamais abandonner, les gars. Non, c'est c'est vrai. Le Nindo de cette vidéo. On n'aurait pas pu prendre Bantramp et le défoncer en 17 minutes. On va prendre Bantramp après. Ouais, j'espère. Ce qui est marrant, c'est que sur le ladder, quand je joue, je ne tombe jamais contre June Sacrifice. Mais genre jamais. Ouais, pas souvent en vrai. Je rencontre plus Rakdos que June. Rakdos, ça peut m'arriver. June. Genre j'ai dû rencontrer une fois sur gros, le dernier mois. Il a pioché 15 cartes, gros. Mais il suffit qu'on pioche la bonne, nous. Mais c'est quoi on la pas bonne besoin là d'en piocher c'est un plein. Marais, gros. Parce que la lui, bonne. Il a plein de pistes. Ah non, il n'y a pas plein de pistes, non. Ah si, il en a plein. Ah, il a le One Piece. C'est stylé, ça. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi je le ping et il continue à gagner des points de vie, en fait? Mais gros, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il a fait, gros. C'est pas fini, Val. C'est pas Val fini. Gros, tu lui as enlevé des pèves, il en a gagné plus. Il a gagné 5 cartes. Il a gagné ses cartes. J'aimerais qu'on dise plus piocher, mais gagner. J'ai gagné une carte. Quoi? What? Ok. Ah, et là, il a plus de food. Il avait même pas fait le sacrifice de son Corvold. Pour te dire comme il nous chie dessus, gros. Il a plus de food, Val. Vas-y, bourre-le. Comme ça, là, on s'en fout. Hein. À tout droit. Là, il y a 8 forêts. Une forêt. We can do it. Oh putain, il fait rien. Oh putain. Oh putain. Là, le mec se dit, mais putain. Bon, le... Comme dit Durlupin. C'est une mitraillette de shame, tu sais. Ouais. Voilà, il doit trop fuir. Mais qui fait ça, gros? Qui joue ça? Validé. On prend un marais, parce que stop, là, les deaths. Il et prend on va, 6. On va rejoindre Jambeur d'ailleurs. Ça va être et on va bientôt rejoindre Jambeur. Ouais. Qui permettra de sacrifier, de ping de 2. Gros, elle est gagnée cette game. Putain, il prend 4. Easy. Il prend 4. Easy. 4. S'il ne met pas 6 là, il est pas bien quoi. Je proposais à Lancelot de mettre 4 saisies dans son banc de spirit en pionnier. Mais quand tu me l'as dit, j'étais là en mode. Comment on fait? Enfin, tu lui as dit, mais j'étais là quoi. On déstructure une main à la base. Let's go. Oui. Je crois qu'on peut rien reprendre, donc on s'en fout. Je crois qu'on reprend jamais rien de ce cimetière. Juste pas enlever les chats, quoi. Brr, 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 comme dit la chouette. Ce serait tellement incroyable de gagner cette game. Une leçon, un manga, un shonen. Franchement, j'écris un livre si tu gagnes cette game.
Enfin, j'écris un livre, je dessine un livre, du coup. 3 semaines plus tard, Val écrit un livre. Il aura juste des images avec des gens. Peut-être qu'il a une boule de feu et il attend d'être vraiment en danger. Il fait bon, allez, tiens, prends 6. Oh, oh yes! Yes! Ah, oh, c'est fou! Con. Bah, viens quand même vendredi soir, mec. Incroyable! Pas flancher, les gars! Pas flancher, le mental! Jamais abandonner! Jamais! Oh putain, c'est un feat avec Thibaut Inchep aujourd'hui. Boum! Dame les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de top decker aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer John Sacrifice. Pas du tout. Oh, quel plaisir. Il faut relancer ou pas? Je suis même pas sûr. Chut. Non, 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 non. En vrai. Jamais. Franchement. Mais jamais. Restons sur nos acquis. La game de trop, ce sera dans une autre vidéo. Ah, là, ouais. Il faut pas toucher. Là. Ah, mais quel plaisir. Là, putain. Je viens de faire la Joconde et non. Tu me dis, j'y mettrais bien une moustache. Non. Bah, gros, je suis chaud, moi. Mais non, non, mais pas de moustache à la Joconde. Putain. Elle est nickel comme ça. C'est la fin de cette vidéo. Ah, quel plaisir. Je sais qu'elle vous a plu parce que les mecs ont quitté avant et doivent se dire « Oh, c'est fou, tu vois. » Ils ont quitté comme le match où il y avait 4-0 gros, j'ai envie contre de boire l'OM. Une grenadine, gros. Et en ça fait, fait 10 l'OM ans est remonté. Que j'ai pas eu envie de boire une grenadine. Eh ben écoute, boire une grenadine, j'en ai en plus. Oui. C'est oui. Pas vrai, j'en ai pas. Eh merde. Je peux aller t'en chercher. Oh, putain. Magnifique. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description et avec la chaîne Twitch, je vais appeler Magic Arena FR. C'était incroyable et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.